Plop les gens, de retour sur Factorio, toujours à faire un gros poil dans la main, qui demande du travail acharné, je trouve. Mais c'est ça qu'on aime. Tac tac tac, je sais plus ce que je devais faire alors que ça fait... moins de 10 minutes. Attendez, ouais, oui. Ouais, je... Ah oui, mais si, à lui aussi, ouais, non. Ah oui, commence à être un petit peu en déj de fer. On en a vu là. On en a vu là. Un poil plus proche. On en a vu là. C'est pas beaucoup. C'est quand même relativement très proche. De chez moi. Il y a deux ennemis là-haut. Deux camps d'ennemis qu'il va falloir attaquer. Avant qu'ils nous détruisent. Ah, j'allais dire, d'ailleurs, je vais en profiter tout de suite, pendant que j'y pense, pour mettre des tourelles là-haut. Sauf que je me rends compte que mon clic droit de tout à l'heure m'avait fait poser... mon contrôle clic droit m'avait fait poser toutes mes tourelles dans le coffre. Je n'avais donc plus de tourelles sur moi. Ouais, tiens, tu peux faire ça et toi tu peux te remettre à... Je sais pas, je sais même pas ce que tu peux faire. Ouais, si, continue à faire les dernières, mais ça m'a l'air de pas servir énormément pour le moment. Faut quelques munitions, elles sont là. Ah oui, j'ai que ma toute première protection d'ailleurs. Mais j'ai préparé le truc modulaire, bah, je vais faire ça tout de suite. Au nord là, ouais, la forêt est très loin. Je vais prendre quelques murs du coup pour protéger un peu mes tourelles. Ça fait pas beaucoup, 120 murs, mais c'est pas grave, on fera avec. Surtout qu'ils peuvent même esquiver. C'est trop lourd. On va se mettre en plein milieu. On va les mettre par groupe de deux à partir du plein milieu.
Hop. Ouais, je pense pas qu'il passerait plus par la droite. On va remettre un petit peu plus sur la gauche. Il manque les deux coins. J'ai posé toutes mes munitions, tous mes murs, loin d'avoir posé toutes les mitrailleuses, mais bon. Ça. On s'en fiche. Alors ça, faudra le mettre dans le coffre de la honte, même si c'est pas de la honte de l'avoir. D'avoir une armure en rab. On va y aller tout de suite, ça. Plus assez d'électricité. Bon, je m'en doutais un petit peu. J'ai pas de plaques sur moi. Je vais prendre des plaques de fer. Le cuivre, j'en ai déjà. Voilà. Voilà, j'ai quelques plaques. Je devrais me prendre comment ça s'appelle, plein de circuits rouges sur moi aussi. Pour faire tous mes petits modules. Alors ici, je le voyais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui. On va vouloir. Douze si possible. 12 et 24. Ah, je crois que j'en ai un 13e. Et 24. Bien évidemment.
5, 6, 1, 7, 8, 6. Je sais plus pourquoi j'avais 12 en tête, c'est le... Enfin 20 je veux dire au total en tête. Je crois que c'est le ratio, une pompe côtière peut alimenter autant de... de chaudière, mais je n'en suis pas sûr. Hop là, non. Enfin, je pas vérifié quoi. Hop là, là. Et là. J'ai la flemme de reconstruire des bras thermiques. Bien qu'il manque un. Et voilà. Combien il m'en manque avec ça. Il manque 4. Deux, trois et quatre. Là-dedans, on va mettre. Elle était où la chaudière de Rab? Ça, ça devrait être bon, oui. Largement même. Est-ce que j'avais... Non, au sud, j'ai pas spécialement besoin de me défendre pour le moment. J'ai beaucoup de moteurs, faut que je pose des moteurs et que je récupère des circuits rouges. Alors, le charbon 185, mais j'ai 1 million et 500 et 300, pas loin. Surtout le 1 million. Ça devrait aller. C'est juste que 180 000. Ouais, quand même, ça devrait quand même partir assez vite. Faut que je garde un œil dessus.
Ici, non, on est full quasiment. Oh, les potions bleues, au final, quand on enchaîne les recherches qui ne demandent quasi que des... Enfin, qui demandent des potions bleues, ça souffre un peu. C'est pas celle-là que vous laissez, ça. Peut-être pas ça. Pas tout de suite. Peut-être plus attendre pour avoir l'armure de puissance, d'ailleurs. Enfin bon. Trop tard. Alors j'ai dit qu'il me les moteurs ils sont là, ouais. Bah en fait non, c'est surtout qu'il me faut une petite usine ici comme je l'avais pré-faite. C'est que les moteurs. Il est où le moteur? Je m'en fous. Et je voudrais bien. Qu'est-ce qui est cool? Ça. Alors, on a. Attendant, je crois qu'on a fini la recherche de ce que j'ai aperçu. Là, c'est ces moteurs-ci. Ouais, ok, c'est large. Ça, il faut. Les plaques d'acier, les éléments de moteur électrique avec des circuits électroniques. Et des batteries. Alors ce que je peux faire, un truc marrant. Un truc marrant, ce serait de là filtrer les moteurs normaux. Non. Ah, oh, presque. Presque. C'est dommage. Voilà, tout ça pour ça, mais c'est fait. Ok, donc là j'ai déjà mes circuits électroniques et mes moteurs électriques. Je n'ai plus qu'à produire des batteries. Et c'est bon vu que j'ai déjà mes plaques d'acier ici. Donc les batteries... c'est là, il faut de l'acide sulfurique. Pour l'acide sulfurique, il faut du soufre. Pour le soufre, il faut juste de l'eau et du gaz pétrolifère. Donc ça, on peut faire... Non, le soufre, on l'a déjà. Excusez-moi, le soufre, on l'a déjà. Il faut du plaque de fer et de l'eau.
Voilà. Passer par là en fait. Ou alors il faut faire. Est-ce que j'aimerais bien réutiliser ça? Parce que ça aussi, c'est des trucs qui mettent longtemps à se produire. Décalé de 1. Ah! On peut aller jusqu'au bout. Hop! Si je te mets là. Seul. Et normalement les autres ils s'en sortent. Ok, et là le vert, je sais pas s'il va. Suivant. J'ai plus de cuivre, j'ai plus de cuivre parce que. Que j'ai qu'une série de fours et que ça foire. Ok, ça me va. C'est pas le plus pressé pour le moment. Ça va dans ce sens. Ça va arriver par là. Et là, on a dit tout ce qui manque, c'est les batteries. Les batteries sont fabriquées là-dedans, il me semble. Oui. Et donc les batteries 4 secondes, les châssis 20 secondes. En fait, il y aura peut-être besoin que de 2 ou 3
On va mettre une quatrième et on va arrêter là pour le moment. Tac. Usine de batterie. Alors. Hop, hop, et les tuyaux. Voilà. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Chercher des engrenages et des tapis. Les tapis sont censés être ici. Et les engrenages, j'en ai quelques-uns là. Ça manque quand même de cuivre et j'aurais besoin d'un peu plus de cuivre. J'ai plus de tuyaux non plus. Du soufre, de l'eau et du fer. Donc le fer, tu vas en récupérer ici. Oh, sérieusement. J'aurais dû prendre des tuyaux aussi. Ouh. Ouh, à chaque fois, je suis perdu. Je sais pas pourquoi. Ok. Donc, le fer et l'eau. Quoi, je l'ai fait tourner ce truc là. Le soufre et l'eau, alors l'eau ici. Et qu'il y ait de l'eau là-haut. Il va falloir faire passer le soufre ici. Oh!
Et l'eau, j'ai dit qu'elle apparaissait là, là. Voilà. Et je n'ai plus qu'à mettre du fer et du cuivre là-dessus. Alors plus que, c'est un bien grand mot. Mais normalement, c'est quand même plus simple que tout le reste. Surtout que j'ai plus de cuivre du tout. Donc je vais devoir refaire un fourneau de cuivre. Oh punaise, c'est pas ça qu'il fallait faire. Du coup, on va faire comme ça. Voilà. Lui n'utilisera que le fer, donc c'est pas si grave si il y a eu un peu de fer là. Ok, donc il leur manque juste. Tac tac. De mémoire, ça c'est plutôt intéressant. Les robots, on les fait comment? On les fait avec ça, justement. Ok. Ça s'est produit, oui. Ok. Donc ça va me produire mes premiers robots. Que je mettrai très certainement. Alors pour le moment, je vais mettre dans un coffre. Mais il faudrait très certainement que je mette un robot-port ici, mon premier robot-port. Quelques rouges, alors on va produire un robot port ici ou deux. Faut que je fabrique ça aussi.
Ok, on produit pas assez de soufre. Mais j'ai pas d'usine. Sinon, est-ce qu'on peut voir... Hop. Tac, tac. Hop. Donc l'entrée en eau c'est bon, il manque l'entrée en soufre. Un eau soufre fer, il y aurait tout. J'ai plus de soufre. Sert pour le moment, je crois, à rien de les avoir sur moi. Alors, où est-ce que je peux mettre? L'endroit idéal, c'est là. Ah, ils sont lents au début, les robots. L'endroit idéal, c'est là. On verra plus tard. L'endroit idéal, c'est là, mais... On va se mettre là. Oh, au début ils sont lents les robots en fait. La pompe. La pompe je l'ai jamais mise là où je voulais. Au fin fond du... Je ne veux pas. Tac. Il reste une heure, non c'est clair en fait, maintenant que j'y réfléchis, une heure c'est juste le temps de production de la fusée avec ses modules. Mais avec deux fois plus de temps, normalement c'est bon. On va voir.
Alors ici, j'avais dit que je voulais mettre la pompe là. Comme ça, c'est... Ici, c'est saturé le moins possible. J'ai rien dit, c'est pas le double du temps, c'est presque le double. Voilà, ouh le bleu, il n'y en a plus assez. On avait dit les fours, punaise. Le cuivre, le cuivre, le cuivre. Mais de l'autre côté, je pourrais demander au robot de le faire, quoi. Quand t'es là. Ok. Je vais faire la production de robot-port. Ça sera mieux. Production de robots porcs, on a dit, je crois, il faut des circuits rouges, il faut... Circuits rouges, engrenages et plaques d'acier. Les plaques d'acier, on en a ici. Les engrenages aussi, et les circuits rouges. On peut en piquer, plus ou moins. Bah tiens, on peut faire ça. Sur le passage. Et on va défoncer ces autochtones. Où est mon tapis de charbon? Il est là. Minimum vital, c'est ça. Ça marche avec quoi déjà? Oh, beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop cher. Ça peut être bien.
Ouais, les toiles laser, je suis pas sûr. Plus facile à utiliser quand même. Alors, ici, il en faut 2, 3, 4, 5. On va commencer par mettre d'abord le petit bastion avec un mur. Seul de bien placé. Voilà. Mais ils m'ont attaqué pourquoi? Il doit y avoir un camp que je vois pas ici. Je vais aller explorer. Personnage logistique, non? Il va me falloir les panneaux solaires quand même à un moment. Ah voilà. Il y a bel et bien un camp qui s'est incrusté. Chose, mais ça protégera pour la suite. Du coup, je vais poser mon charbon, je vais peut-être essayer de mettre des briques pour remonter un peu plus vite. Je vais me délester au spawn de mon armure légère. Oui, du coup, j'ai pas pu faire le robot porc qui se reproduise tout seul.
Il fallait quoi? Plaque d'acier, engrenage et circuit avancé. Plaque d'acier, engrenage et circuit avancé. Tac. Ah non, faut que je la décale là. Voilà. C'est long à produire, mais il n'y en a pas besoin de masse. Alors, ça, on peut pouvoir en mettre ça absolument. On peut, ça on peut. Oui. Ça, c'est que lui, je peux comme ça. Et ça aussi. T'es bien comme ça en fait, normalement. Non, non, il y a des stocks, il y a des stocks. Trucs utiles.
Voilà. Non plus que les poteaux et les bras. Mais j'avais pas envie de remettre les bras, c'est... De toute façon, j'en ai pas assez, je crois. Voilà. Mais ça fait un petit peu plus de cuivre quand même. Lui, il arrive. Parfait, ça. C'est parfait pour la moitié. Alors, un autre. Alors, il le faut où au maximum? Même il le faut là, donc je peux en mettre un ici. Ouais, je peux largement en mettre un là. Ah, c'est la zone rouge. C'est la zone rouge qu'il faut. Aïe, au secours. Ok, du coup... un endroit un peu plus accessible pour le moment et de toute façon je m'en fiche. Voilà. Et ici aussi du coup il va falloir... déplacer les poteaux, mais c'est pas grave. Ok, donc ça devrait finir se construire tout seul. Ah oui, les robots qui bossent. Ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, au moins au moral. Alors, les autres robots, ils sont là. Les circuits rouges qu'il a et qu'il lui faut. Voilà. Alors logistique, il me faut tout le temps... trois centres comme ça, 52. Mince. Oui, il faut valider maintenant. 3 centres comme ça, 52 comme ça. 52 comme ceci. Ah,
si c'est tout le temps, 50 ça devrait suffire. Eux aussi. Eux aussi. Eux aussi, même si c'est pas une vraie production que j'ai. Si je vois des robots qui viennent me donner ça, c'est que je suis et que j'ai un souci. Ça, il m'en faut 50 et ça ira bien. Alors, le cuivre arrive. Donc, les circuits verts reviennent. Et les circuits rouges suivent. C'est bon. Ça fait déjà une heure que je suis sur l'avionnet. Sérieusement. Je n'avais pas l'impression. Je produis tout ce que je veux, pas dans les bonnes quantités, mais c'est pas grave. C'est ça le plus important. Tac, tac, oui. Alors, j'ai mes modules de... pour faire des robots, là. Combien de robots? On est 37, ouais. C'est pas assez. Quarantaine, ouais, c'est pas du tout assez. Parce que je voulais faire. Voilà. Pourquoi je voulais mes modules de robots? Je ne sais plus. Pour les potions jaunes, je crois. Tac. Potions jaunes. Oui. Il va me falloir des processeurs et des structures à faible densité. Processeur, il faut de l'acide sulfurique aussi. Quoi? Et du rouge, ça c'est affreux. Il faut que je refasse une production de verre et rouge juste pour les processeurs bleus, sinon je m'en sortirai pas. Et l'acide sulfurique, ok. Et structure à faible densité, elles sont là. Ça, ça va. Il me faut juste du plastique qui est pas si loin que ça d'ici. On va commencer par les structures à faible densité du coup. Les moteurs, il faut de l'acide dessus. D'accord. Pourquoi dans ma tête il fallait du... Il fallait du lubrifiant, mais ça me semble bizarre qu'il faille du lubrifiant pour faire des processeurs. De l'acide, c'est un peu plus habituel. J'en avais pas assez, j'en ai tant que ça. Quoi ? Ah bah tant pis. Tant pis. Je sais que j'en avais que 100 dans le coffre. Tout est bon. Donc ça, on peut retirer un peu plus loin ou ailleurs. On retirera sûrement ailleurs.
Il y en a combien en tout du coup? Il y en a 125, c'est déjà mieux que 30 de tout à l'heure. Ah le... Oui. Ce roboport Impa. Quel bon nom, Impa. A été posé, du coup ils peuvent mettre tous les tapis ici. Ok. Panneau solaire. Ce serait bien un ou deux panneaux solaires et une batterie. Ouais. Je peux faire ça. Non. Tac. C'est mieux. Oui. Ensuite, il me faudrait une batterie. Alors, celle-là, c'est mort. Mais ça, avec des plaques d'acier et des batteries. Hop. Je vais éviter de prendre les batteries sur moi. Voilà, quelque chose comme ça. Pour juste pour le moment revoir dans la nuit. Ça je peux pas. Ça ce serait cool. Ça ce serait bien, oui. Ça je vais faire quand même. Tac. Hop. Donc dès que tu lances... Les robots de transport. Quelques robots de transport, c'est très efficace. Ok. Pourquoi vous produisez pas alors?
centraux. Ah mais depuis tout ce temps... Alors je veux que tu améliores ça en ça. Parce que c'est tout ce que j'ai de toute façon. Non, mes robots sur moi ils veulent pas. Ah, j'ai peut-être pas assez de batterie pour le. Ouais. Là, je suis à côté d'une ligne électrique là. Tu veux pas recharger mes batteries personnelles plus vite? Ah si, ils l'ont fait, mes robots. Alors, ici. Non, ils vont pas vouloir me les donner, si peut-être. Ok. Parfait. Ok, là le circuit électronique, ça dépote. Et tout le reste, ça a l'air d'aller plus énormément de minerais de fer quand même. Faut vraiment que j'y aille. Celui-ci, c'est le plus proche. 6, ça doit être le plus gros. Si je fais 1 million et que j'ai vraiment besoin, je pourrais prendre celui d'un peu plus loin. Quoique, non, tiens. Et ok, c'est tout bon.
en fait, je vais avoir besoin de masse de... de tapis. Ils sont là, les tapis. Et... et ce serait cool parce que je serais loin de mettre quelques munitions pour protéger le tout. D'ailleurs, en parlant de munitions, je les ai pas ajoutées à ma liste d'éléments que je veux automatiquement. J'en veux 1000. Les reprendre au lieu de continuer à les faire se balader, et je vais les mettre là. C'est tout bon. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut quoi déjà pour faire des bras comme ça? Ah, j'ai mes bras avancés, ouais, mais c'est mort. Faut des bras, des circuits électroniques et des plaques de fer. Bras, circuits électroniques. J'ai un peu tout dans le coin. Les plaques, c'est peut-être le plus relou à prendre. Ah, circuit électronique. Plaque de fer. Ah non, j'ai celle de dessus là. Pas demandé de... J'ai demandé d'en avoir, mais bon. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment, donc on va prendre des comme ça. Et vu que ça fait un bout de temps, mais que je suis toujours pas très loin. Je vais combler mon stock de tapis. On va aller à la pêche au... Ah, j'ai pas beaucoup de poteaux électriques. Est-ce que je peux en faire? Des poteaux électriques, oui, je peux en faire. Oh, il faut des barres de fer, c'est relou. C'est relou, les barres de fer. Alors, hop, toi tu fais des barres de fer le plus vite possible. Toi tu fais ça et là. Même à deux, oh là là.
10, ça sera bien. 9 du coup, vu que... Parce que j'étais en train de me dire, je vais faire des... Je vais au sud prendre... Bon, en plus... Ok. J'ai fait tout ça pour pas grand chose, vu qu'en fait c'est juste là. 196 d'eau. J'avais raison quand j'avais dit que c'est 20 la limite. Que là c'est trente par seconde. Ouais, 30 par seconde sur 60 par seconde, et lui il produit 600 sur 1800, sur 1200. Tellement coupé au couteau ce patch de minerai, ça fait étrange. Excusez-moi. Alors, hop, hop. Et voilà. Oh, c'est nul. Limite comme ça. Alors, on va mettre tous les petits potals. Et moi qui croyais qu'on allait aller loin. En fait, on va juste ici. Si j'ai pas besoin de deux lignes pour ce petit patch, je réutiliserai pour ceux d'un peu plus bas. Le jour où le besoin se fera sentir, c'est-à-dire peut-être pas dans cette partie. Merci, et encore une fois, désolé. Je sais, j'éternue fort, mais promis, j'ai tourné la tête loin du micro. T'es pire. Ah, bon, bah... Alors, hop. J'ai tourné trop tôt par rapport à l'endroit où j'ai déboisé.
là. Empêche le petit bruit qu'ils ont rajouté sur le sur la lunette de vision nocturne, très agréable. Et on voit mieux la différence, je trouve, qu'avant aussi, visuellement. Ça aussi. Quoi, j'ai plus de tapis? Oui, ça arrête de bosser mes robots. J'ai de la batterie, j'ai des tapis. Je vais apporter tout ça. Copie. Ah, parce que c'est à portée de l'autre. Ok, tac. Faire ça, hein. C'est pas ouf, mais là tout de suite je vois pas comment mieux raccorder. Faudrait enlever tout ça, quoi. Mais déjà que j'enlève ces deux là plus ou moins, et j'ai oublié, mais c'est pas si grave, c'est dans cette portée de radar, donc ça va. Ok, j'en suis à la moitié de l'électricité. Il reste 11 minutes pour faire le speedrun de ouf. C'est mort. Oui, plus de batterie pour les robots, mais non. C'est que j'étais déjà à la base. En fait, donc ça va. Du coup, j'ai quoi d'autre à faire? Les potions jaunes. Potion jaune, j'ai déjà les modules. J'ai besoin de quoi d'autre? Alors, je vois aussi les circuits rouges. Les circuits rouges, ils ont l'air de s'en sortir. Ils laissent pas mal de circuits verts passés qui sont utilisés derrière. Ça me paraît correct. Tout est bon. C'est juste maintenant que les circuits rouges sont un peu lents. On va les accélérer, mais
Accélérer, ça veut aussi dire que ça bouffe plus de ressources. C'est bon. Tac tac, c'est tout bon, c'est tout bon. J'ai oublié de mettre des tourelles là-bas. Oh, tant pis. Tant pis. Ici, ça commence à vraiment faire... Non, même là. Je vais en sortir à droite. Oh, plus de recherche. Bonus des bras robotisés. Violette, comme ça, il y aura tout en même temps. Dégâts des armes. Il y a quoi d'autre en fait? Il y a déjà plus beaucoup de recherches en fait. Alors que j'ai deux potions que je n'ai pas encore débloquées. Pas celui-là. Celui-là que je cherche. Donc le violet, j'en ai besoin pour les modules de productivité 3 et de vitesse 3. Mais sinon... Ah, il me manque les modules de productivité au max, quoi, sauf le vert. Et le contrôle de la fusée. Ok, bon, on va faire ça. Hein. Non, ça on peut pas. Tac. Ça c'est violet, ça c'est violet, ça c'est jaune. On verra si on a le jaune à ce moment-là. J'en ai combien du coup? J'ai déjà 500 robots. C'est ça que je vais faire. J'en ai plus sur moi et j'en prends 50 et ça devrait être bon. Je fatigue quand même, je vais pas tarder à arrêter les processeurs. Oh, j'ai pas envie de les faire parce qu'il faut que je refasse de l'électronique rouge et verte. Je vais faire les structures de faible densité et je m'arrêterai là. Du coup, ce serait cool que ça arrive ici. Les structures de faible densité, il faut quoi? Il faut plaque d'acier, plastique, cuivre.
cuivre, c'est bon. Plaque d'acier, je les ferai remonter là. Non, je vais pas pouvoir les faire remonter, donc je vais les faire descendre là. Étrange. Alors, et il va me manquer le plastique. Attendez. Gna gna gna. Au pire, je peux enlever celui-là. Je crois que je vais faire ça. C'est parfait. Oula. Non. Hop, structure de faible densité. Je sais pas si j'en ai besoin de moins ou d'autant que les... truc de roboport, mais tant pis. Oublié que j'avais les robots. Là et oh, c'est tout. Ah, et j'ai quelques barres de fer sur moi du coup. Je vais en profiter pour toutes les utiliser pour faire des poteaux, enfin tout ou presque. Plus que les processeurs. Tac, je vais quand même rendre tout ça propre. Et je vais m'arrêter là.
Voilà, j'ai un problème d'approvisionnement en cuivre. C'est long à produire ça pourtant. Ah oui, mais c'est long, mais ça en demande 20. On verra. Je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, et ça comme ça pour bloc-notes. Bah du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vers le haut, et je vous dis à bientôt.